وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم هو 13 من شهر شعبان عام 1434 في الدرس العاشر من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin 2013 et qui correspond au 13 du mois de Sha'ban, et on rentre dans le 10e cours, inshallah, de ce livre, les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la personne qui nous demande est-ce qu'il nous reste des livres, malheureusement il nous en reste plus, mais ce livre est trouvable facilement dans les librairies où ils vendent des livres. Et la semaine dernière, nous avons parlé ou nous avons lu des hadiths dans un chapitre. Lequel? La bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous entrons dans le 13e chapitre, qui est قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le chapitre concernant l'épée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans le chapitre, dans la traduction, il y a écrit son épée. Mais la phrase en arabe, c'est chapitre concernant la description de l'épée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce chapitre, nous allons trouver qu'une seule information qui a été authentifiée par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Quant aux autres, elles ont toutes été jugées faibles par le cheikh al-Albani rahimahullah, qui a corrigé ce livre et vérifié l'authenticité des hadiths, comme on l'a dit, avant d'entamer l'étude de ce livre. Taïb. Et nous allons voir dans les trois chapitres qui arrivent que l'imam va nous parler de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son bouclier al-dir' et de son casque avec lequel il se protégeait la tête, al-mirfar. Et la raison pour laquelle le shaykh rahimahullah a cité ces trois chapitres qui concernent des outils utilisés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant la guerre, pendant ses batailles, pour se défendre, eh bien, c'est que on voit juste avant que l'imam a cité la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut me rappeler à quoi servait la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle servait comme signature. C'était comme un tampon, un cachet. Quand il envoyait des lettres au roi des koufars, les mécréants, pour les appeler à l'islam, les sahaba écrivaient une lettre pour lui et il prenait sa bague et il appuyait dessus pour que ça fasse comme une signature. C'était écrit Mohammed Rasulullah. Mohammed est le messager d'Allah. Pourquoi il envoyait des lettres? Pour appeler les gens à Allah, pour appeler les gens à l'islam, pour qu'ils suivent la vraie religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a cité ces trois choses-là, l'épée, le bouclier et le casque, juste après la bague, pour nous dire une chose importante, qui est que quand on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit d'abord appeler par la langue et par la science. Comme on voit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les gens à Allah comment? Avec le ilm qu'il leur envoie, avec la science qu'il leur envoie à travers ses lettres par lesquelles il les appelle à l'islam. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commencé par combattre les gens comme on pourrait le croire ou comme on le dirait faussement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour agresser les gens. Au contraire, il leur a envoyé des lettres avec lesquels il les invitait à l'islam, et il disait même aux gouverneurs et aux empereurs, aux rois à qui il envoyait des lettres, que s'il entrait dans la religion d'Allah, Azza wa Jal, il garderait tout son royaume.
et il resterait le gouverneur, mais la différence c'est qu'il serait musulman. Donc le prophète alayhi salam faisait da'wah avec le ilm, il envoyait la science aux gens à travers ses lettres. Et ensuite, il y avait le combat qu'Allah azza wa jalla lui a donné l'ordre de mener à bien. Le prophète alayhi salam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ou Abdullah ibn Omar ou Abu Huraira, j'ai oublié, il est dans les 40 hadiths. Il dit: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que la seule divinité qui est digne d'être adorée en toute vérité est Allah Azza wa Jal. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des lettres d'abord et appelait les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce chapitre, l'imam al-Tirmidhi rahimahullah nous dit: Saif Rasulillah alayhi salatu wassalam. Cette formule dans la langue arabe s'appelle al-idafa, c'est-à-dire l'annexion. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui a été annexée à une autre. La chose qui a été annexée, c'est l'épée. À qui elle a été annexée? Au prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'on a dit l'épée du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi je vous dis ça? Car dans la langue arabe et dans les règles que les savants ont citées concernant la compréhension des versets et des hadiths, ils disent que quand le mot qui est annexé est au singulier, vous allez comprendre pour ceux qui ne comprennent pas avec le résumé. Mais pour ceux qui comprennent, le mot qui est au singulier, qui est annexé à un autre mot, comme quand on dit l'épée du prophète, alayhi salatu wassalam, on n'a pas dit les épées. Donc ce n'est pas le pluriel, c'est le singulier. Ou comme quand on dirait par exemple le bouclier du prophète alayhi salatu wassalam. Quand un mot singulier est annexé, ce qui est voulu, c'est le pluriel. Ce qui veut dire que ici, quand on nous dit l'épée du prophète alayhi salatu wassalam, en fait, on nous parle des épées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ça, on voit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'avait pas qu'une seule épée, il en avait plusieurs. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité que le prophète sallallahu alayhi wasallam avait 9 épées. Il avait 9 épées et chaque épée qu'il avait avait un nom. Et c'était une coutume du prophète alayhi salatu wassalam de donner aux armes qu'il possédait des noms, comme à ses boucliers. Comme on va le voir, il avait 9 épées. Certains savants ont essayé de savoir, a-t-il eu ces 9 épées en même temps, ou bien parfois il en avait une et d'autres fois il en avait d'autres. La réponse est qu'il n'avait pas ces épées en même temps, car des fois quand ils combattaient, quand ils étaient dans leur bataille et qu'ils gagnaient les batailles, ils récupéraient des épées qui étaient à leurs ennemis. Donc ils devenaient, ces épées devenaient dans la possession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un poète arabe parmi les savants a, dans deux vers poétiques, rassemblé les noms des 9 épées qui étaient en la possession du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Dans le vers poétique, il dit لِهَادِينَ مِنَ الْأَسْيَافِ تِسْعُنْ, c'est-à-dire à celui qui est notre guide appartient 9 épées. Rasoubun, les mots qu'on va lire sont les noms des épées du prophète alayhi salatu wassalam. Rasoubun, c'est un prénom qu'il a donné à une épée. Wal mikhdam, dhulfiqar, qadibun, hatfun, wal battaru, abbun, wa qula'iyun, wa ma'thurul fijar. Donc on voit que ce sont des mots qui ne sont pas communs, mais ce sont des noms que les Arabes ont employés à cette époque, avec lesquels ils désignaient leurs armes ou leurs épées. Et pour certains, il y a des sens particuliers. L'épée la plus célèbre du prophète, alayhi salatu wassalam, s'appelle Dhulfiqar. Dhulfiqar. C'est Saif al-Nabi sallallahu alayhi wassalam. Donc voilà ce qui concerne les épées et la raison pour laquelle l'imam al-Tirmidhi rahimahullah
a cité ce chapitre concernant l'épée du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et qu'est-ce qu'on remarque encore une fois? Que c'est toujours Anas ibn Malik, ou très souvent, qui nous décrit les choses concernant le prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit son physique ou bien des objets lui appartenant. Pour quelle raison? Il était souvent avec lui, particulièrement il a vécu 10 ans avec lui en tant que servant. Radiyallahu anhu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. C'est-à-dire le pommeau de l'épée du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم était en argent. Qui sait ce que القبيعة, le pommeau? القبيعة, c'est le nom que l'on donne à une pièce qui se trouve dans l'épée, une partie de l'épée. L'épée, c'est une chose qui est longue. Il y a la poignée, al-maqbad, l'endroit où on tient l'épée. Ensuite, quand la personne attrape l'épée comme cela, il y a ici, pour certaines épées, un métal qui sert à protéger la main et qui sert à empêcher à ce que l'épée glisse et tombe de la main. Il est en forme de crochet, comme ça. Donc tu rentres ta main pour attraper la poignée de l'épée, et au-dessus de tes doigts que tu auras refermés sur la poignée de l'épée, il y aura un morceau de fer du haut vers le bas, à la forme d'un point américain. Une chose qui protège les doigts. Donc, c'est ce qu'on appelle en arabe al-qabi'a. Et le Anas ibn Malik radiallahu anhu nous décrit al-qabi'a, il nous dit que c'était une pièce en argent. Donc c'est la première information que l'on retient concernant l'épée du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous retenons de ça qu'il est permis aux musulmans de mettre cette matière qui est l'argent sur son épée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette matière sur son épée sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième hadith a été authentifié également par l'imam al-Albani rahimahullah, et il s'y trouve la même information contenue dans le premier. كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة, c'est-à-dire le pommeau de l'épée du prophète صلى الله عليه وسلم était fait d'argent. Les autres hadiths, nous avons dit qu'ils ont été jugés faibles par l'imam al-Albani rahimahullah. D'ailleurs, certains savants ont même jugé faible ce hadith-là. Parmi les savants du hadith, on dit que même ce hadith que l'imam al-Albani a jugé authentique, ils ont dit qu'il était faible, et ils ont dit qu'on n'a aucune information concernant l'épée du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais comme on a dit au début de l'étude de ce livre, nous allons, étant donné que l'imam al-Albani, rahimahullah, est le plus savant de cette époque dans la science du hadith, nous contenter de prendre les hadiths qu'il a authentifiés, rahimahullahu ta'ala. Voilà en ce qui concerne le premier chapitre de ce cours qui concerne l'épée du prophète, alayhi salatu wassalam. Le chapitre suivant, al-bab al-rabi'u ashar, babu ma ja'a fi sifati dir'i rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Le chapitre concernant le bouclier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on nous dit sa cote de maille. Quoi qu'il en soit, ce qui est voulu par Adir, c'est le bouclier, l'armure. L'armure, car les sahaba radiallahu anhum, le prophète alayhi salatu wassalam, à leur époque, quand il y avait des guerres, ce n'était pas comme l'époque d'aujourd'hui. Les combattants faisaient du corps à corps, ils s'affrontaient à l'épée, donc ils avaient besoin de se protéger avec ces armures, avec ces boucliers, qu'on appelle en arabe ad-dir', et le pluriel c'est ad-ru'. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait ce bouclier
quand il combattait son ennemi et qu'il défendait par là la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil que ce qui a été dit dans le premier chapitre, ici nous avons un mot singulier annexé au prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire le bouclier du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui est voulu par là, ce sont les boucliers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète alayhi salatu wassalam avait 7 boucliers, comme nous a cité l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ces boucliers ont des noms, de même que ces épées ont des noms. Le premier bouclier s'appelle Dhatul Fudul. Dhatul Fudul. Et certains savants disent que ça, il s'appelle Dhatul Fudul, car Al-Fudul veut dire le rajout ou le plus. Pourquoi? Parce que ce bouclier était long. Ensuite, on a Dhatul Wishah. Donc, ce sont des noms qui ne sont pas communs pour nous, mais ce sont les noms par lesquels ont été nommés ces boucliers. Nous avons Dhatul Fudul, puis Dhatul Wishah, puis Dhatul Hawashi, puis Ash-Shu'diyya, ensuite Fidda, ensuite Al-Batra, ensuite Al-Khirniq. Al-Khirniq, des noms des boucliers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce chapitre a été cité par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah afin de nous enseigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait bel et bien un bouclier pendant ses batailles. Et à travers cela, on voit que celui qui vraiment place sa confiance en Allah, Azza wa Jal, fait les causes. La personne, sans aucun doute, qui place en Allah, Azza wa Jal, son entière confiance, et qui n'a aucun concurrent dans cela, c'est bien le prophète, alayhi salatu wassalam. Personne ne place sa confiance en Allah comme lui l'a placé en Allah. C'est lui qui faisait le plus confiance en Allah, Azza wa Jal. Et pourtant, il se protégeait et il mettait un bouclier. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que celui qui dit « Moi, je fais confiance en Allah, Azza wa Jal », mais qui ne se protège pas et qui ne fait pas les causes, celui-là n'a pas fait confiance en Allah, Azza wa Jal. Car celui qui veut une chose et qui croit en Allah et qui lui fait confiance, il va chercher cette chose. La personne qui veut de l'argent travaille. Elle ne dit pas « Je reste assis et je fais confiance en Allah. Et si Allah m'a donné de l'argent, ça va arriver. » Là, elle se lève le matin, elle sort, elle va chercher de l'argent, elle rentre à la maison. La personne qui veut se protéger de la maladie, elle ne mange pas tout et n'importe quoi en disant « Je fais confiance en Allah, Azza wa Jal. » Si on sait que dans tel et tel fruit, il y a une maladie parce que voilà, ce fruit a poussé dans un endroit où et on sait qu'il y a eu des microbes et des saletés, tu ne vas pas dire « Je fais confiance en Allah et je mange. » Là, tu ne manges pas, pourquoi tu te protèges? Celui qui fait la guerre comme le prophète alayhi wassalam, ne va pas les mains levées sans aucune protection et puis il dit « Je fais confiance en Allah, Azza wa Jal. » Celui qui place sa confiance en Allah fait les causes. Sinon, en vérité, il n'a pas placé sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et à travers ça, on voit l'erreur de ceux qui suivent le soufisme égaré, qui ne placent pas leur confiance en Allah, Azza wa Jal, en vérité, et qui disent, moi, je place ma confiance en Allah, Azza wa Jal, et je ne fais rien. Alors, tu vois ces gens-là vivre dans la pauvreté la plus grande, ils n'achètent rien, et ils disent, je fais confiance en Allah. Ils n'ont aucune confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Le premier hadith du chapitre, عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. Le premier hadith est rapporté par Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, qui nous parle de Talha radiyallahu anhu. Ces deux hommes, Az-Zubayr et Talha,
font partie des 10 compagnons qui ont entendu le prophète alayhi salatu wasalam leur dire de leur vivant qu'ils ont leur place au paradis. Le prophète alayhi salatu wasalam un jour s'est assis avec des gens et il a commencé à donner 10 noms. Et il a dit Abu Bakr fil Jannah. Abu Bakr est au paradis. Omar fil Jannah. Uthman fil Jannah. Ali fil Jannah. Et ensuite, il a cité 10 noms comme ça. Et les gens étaient là et il leur a dit, toi, tu rentres au paradis, tu as déjà ta place. Subhanallah, ils étaient vivants et ils savaient qu'ils allaient aller au paradis. Tellement qu'ils obéissaient à Allah et qu'ils suivaient le prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi ces 10 personnes, nous avons Talha et Zubair ibn al-Awwam qui nous rapportent cette histoire qui s'est passée avec Talha. Radiyallahu anhu. Il nous dit, le jour de Uhud, donc Uhud, qui sait ce que c'est? Non. Uhud, c'est une montagne. C'est une grande montagne. Où est-ce qu'elle est? Non. Non, c'est une montagne qui se trouve à Médine. Al-Médine. Et ceux qui vont faire Al-Hajj, ils passent par là-bas pour visiter cette montagne. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette montagne? Il y a eu une guerre. Une grande guerre entre le prophète alayhi salatu wassalam et les kuffars de Quraysh. Et pendant cette guerre, il s'est passé beaucoup de choses. Et parmi les choses qui se sont passées, ce que nous rapporte ici cet homme, Az-Zubayr, radiyallahu anhu, il nous dit, le jour de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait 2 cottes de mailles, c'est-à-dire il portait 2 boucliers. Et ici, regardez, on voit comment le prophète alayhi salatu wassalam faisait les causes. Il se protégeait, il mettait 2 boucliers. Il en portait un et par-dessus un deuxième, subhanallah. Et pourtant, c'est le messager d'Allah, Azza wa Jal. Allah, dans le Coran, lui a dit, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah va te préserver des gens. Tous les sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons, le protégeaient. Il sait qu'Allah Azza wa Jalla le protège et malgré ça, il porte non un bouclier, mais 2 pour enseigner à sa communauté qu'à chaque fois qu'on veut une chose, il faut faire la cause. Il ne faut pas rester assis et dire ça va venir. Il faut faire la cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait ce jour-là 2 boucliers. Ensuite, il dit, lorsqu'il voulut gravir le rocher, il ne put le faire. Ce jour-là, il y avait un rocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu monter sur cette pierre. Il a voulu monter sur ce rocher. Pourquoi? Pour que les sahaba le voient. Radiyallahu anhu. Parce que dans la guerre, les compagnons, quand ils ne voyaient plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient peur qu'il était assassiné, qu'il était tué par l'ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu monter sur cette pierre, sur ce rocher, pour se faire voir des sahaba, pour qu'ils se tranquillisent et qu'ils se disent « C'est bon, alhamdoulilah, le prophète n'est pas mort. » Mais il n'a pas réussi à monter. Il n'a pas réussi à monter sur cette pierre, sur ce rocher. Et le Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad, hafidhahullah, qui nous explique ce hadith, il nous dit qu'il y a 3 éventualités concernant la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi à monter sur cette pierre. Premièrement, il dit peut-être qu'il n'a pas réussi à monter sur cette pierre parce que ce rocher était trop grand. Il était trop élevé. Donc il n'a pas réussi à monter dessus. La deuxième, il dit, dans la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé par ses ennemis. À un point, on lui a cassé ses dents et son casque lui est rentré dans la joue. C'est un compagnon qui lui a arraché, donc qui lui a fait sortir avec ses dents de la joue. Donc, il était tellement atteint par cette blessure qu'il n'a pas eu assez de force pour monter sur ce rocher. Troisièmement, le Cheikh a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la troisième éventualité, c'est que les boucliers qu'il portait étaient trop lourds, car ils étaient en fer. Donc il avait du mal à,
monter sur le rocher. Quoi qu'il en soit, cette chose s'est passée dans la bataille de Uhud. Le prophète ﷺ a voulu monter sur le rocher pour que ses compagnons le voient, pour qu'ils se tranquillisent. Et les compagnons l'ont vu, ils portaient deux boucliers. C'est pour ça que l'imam Tirmidhi a cité ce hadith dans ce chapitre. Voilà concernant le premier hadith. Puis, il nous dit, فَأَقْعَدَ طَلْحَ. Il a fait asseoir Talha en dessous de lui. Quand il n'a pas réussi à monter sur le rocher, il a fait asseoir le compagnon Talha en dessous de lui. Puis qu'est-ce qu'il a fait? وَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Le prophète est monté sur Talha, puis il est monté sur le rocher. C'est-à-dire que Talha l'a aidé à monter sur le rocher. Donc à la fin, il est monté dessus. عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ par l'aide de Talha. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc ici on nous dit, Talha a fait le nécessaire, entre parenthèses, pour entrer au paradis. Et c'est exactement le sens de cette traduction. C'est-à-dire que Talha a fait une chose par laquelle le paradis lui revient de droit. Quand ce jour-là, il a aidé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam à monter sur le rocher pour que les compagnons puissent le voir afin de se tranquilliser, il a gagné le paradis al-Jannah par cette aide qu'il a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadith suivant, An As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu an. Ce hadith nous est rapporté par As-Sa'ib ibn Yazid. Qui se rappelle de ce nom? Personne. Et pourtant, dans les premiers cours, nous avons parlé de cet homme-là. Et nous avons dit... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Sa'il ibn Yazid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu quand il était avec sa tante. Ça vous dit rien? Il était malade. Il avait une maladie dans le pied quand il était enfant. Sa tante est venue et dit, « Ô messager d'Allah, inna ibn ukhti waji' waqi'. » Ô messager d'Allah, le fils de ma sœur, mon neveu, a un mal dans sa jambe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a invoqué Allah pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu jusqu'à plus de 91 ans. Et quand les salafs, les tabi'oun, l'ont vu, la personne qui nous dit qu'il l'a vu, il nous dit, je l'ai vu, il avait plus de 91 ans et il était en pleine forme. Et Sa'ib ibn Yazid a dit, لَقَدْ عَلِمْتُ مَا مُتِّعْتُ بِهَذَا إِلَّا بِدُعَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Je suis convaincu que la cause de ce que vous voyez ici, c'est l'invocation qu'a faite pour moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon-là, quand il a fait Hajjat al-Wada', il a accompagné le prophète alayhi salatu wa salam au Hajj, il avait quel âge? Il avait 7 ans. Il avait 7 ans. Et certains parmi les savants du hadith nous disent dans ce hadith-là là, qu'il rapporte qu'il avait 3 ou 4 ans. Cheikh Abdelrazak al-Abbad nous dit cette information qu'il nous donne ici, il avait 3 ou 4 ans. Allahu Akbar. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense que c'est différent des enfants d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il nous dit, Sa'ib ibn Yazid nous dit, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana alayhi yawma uhudin dir'an qad zahara baynahuma. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le jour de Uhud deux cottes de maille, l'une sur l'autre, deux boucliers. Je ne sais pas pourquoi on a traduit ça, cotte de maille. À la kulli hal, le prophète alayhi salatu wassalam portait deux boucliers. قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا أي جَمَعَ بَيْنَهُمَا لَبِسَ دِرْعًا ثُمَّ لَبِسَ أُخْرَ فَوْقَهَا. Il a porté donc un bouclier et ensuite il a mis le deuxième par-dessus. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà concernant le bouclier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non.
Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, dir', c'est le bouclier. C'est le bouclier. C'est ce qu'il mettait ici. On peut appeler ça une armure. Moi, je ne sais pas ce que c'est une cotte de maille. C'est une armure. Khalas. Sahih. Exactement. Barakallahu fik. En fait, c'est ce qu'il met. Si on ne parle pas du bouclier qu'on tient avec la main, comme le frère m'a dit, mais on parle du bouclier qui se met, donc c'est ça qui s'appelle cotte de maille. Barakallahu fik. Tayyib. Alhamdulillah, on s'entraide entre nous. Ça fait plaisir. Jazakumullah khairan. Donc, le chapitre suivant concerne toujours un outil utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la guerre, qui est son casque. Mais moi, je vais demander au frère son kamaï. C'est quoi le kamaï? Voilà, c'est ça. On va dire le kamaï, mais on sait que c'est le casque en fer qui est porté sur la tête. Barakallah fait. Continue à m'aider comme ça. Donc voici le troisième chapitre. Babu maja'a fi sifati mighfari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le kamaï s'appelle en arabe al-mighfar. Al-mighfar. Et nous reconnaissons dans Al-Mirfar, Ghafara, comme Al-Maghfira. Il y a les mêmes lettres que Al-Maghfira, qui est, qu'est-ce que c'est? Là, c'est pas la miséricorde. Non. Al-Maghfira, c'est le pardon. D'accord? D'où vient ce mot à la base? Car ici, on voit les mêmes lettres qui sont utilisées pour le mot pardon, qui veut dire qui désigne le pardon, et l'autre qui désigne le kamaï, le casque qu'il met sur sa tête. Alayhi salatu wassalam. D'où vient ce mot? Chaque mot dans la langue arabe a une base qui va se retrouver ensuite dans tous les mots dans laquelle on retrouvera cette base de trois lettres. Ici, la base de trois lettres, c'est rafara. C'est trois lettres. Raim, fa, ra. Rafara, dans la langue arabe, ça veut dire couvrir à la base. Couvrir et cacher. Et c'est pour ça qu'on a appelé le pardon al-maghfira, parce que al-maghfira, le pardon, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous punisse pas en nous cachant nos péchés. Il nous cache nos péchés. Et c'est pour ça qu'on dit astaghfirullah, c'est-à-dire je demande à Allah de cacher mes péchés. C'est ça que ça veut dire astaghfirullah. Quand tu demandes le pardon d'Allah, tu demandes à Allah qu'il te cache tes péchés et qu'il te les pardonne. Ici, le casque s'appelle Al-Mirfar. Pourquoi? Normalement, ça, vous avez la raison maintenant. Car il couvre et il cache la tête. Donc on voit le lien qu'il y a entre Mirfar et Marfira. Casque et pardon. Taïb. Donc, ce chapitre aussi a été cité par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, afin de nous enseigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un casque. Donc il ne négligeait pas toute protection qu'il pouvait avoir, alayhi salatu wa salam, il ne négligeait pas de la mettre, de la porter et de l'avoir en sa possession, sallallahu alayhi wa salam. Et ce kamaï était fait de fer. Pourquoi? Pour ne pas que les épées ou bien les lances ou les flèches atteignent sa tête, sallallahu alayhi wa salam. Qui est-ce qui nous rapporte le hadith? Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. On voit tout le temps que c'est lui. Et on sait pourquoi. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, dakhala Makkata 'am al-Fath, wa alayhi mirfar, falamma naza'ahu qila lah, hadha ibn Khatal, muta'alliqun bi astar al-Ka'bah, faqala uqtuluh, qala ibn Shihab, وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. Donc on n'a qu'un seul hadith dans ce chapitre qui est rapporté par Anas ibn Malik رضي الله عنه. Il nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, le jour où il entra à la Mecque, quel jour? De quel jour on nous parle ici?
Quel est ce grand jour dans l'histoire de l'islam? Al-Fath, la conquête de la Mecque. Combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à la Mecque en tant que prophète? En tant que prophète, 13 ans, mais en tout 53 ans. À 40 ans, il est devenu prophète, puis il est resté à la Mecque pendant 13 ans. 13 années pendant lesquelles il a appelé les gens à l'islam. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a immigré. Vers où? Vers Médine. Combien de temps il est resté à Médine? Pendant 10 ans. Après ces 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à la Mecque pour conquérir la Mecque. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé cette conquête. Il y a même une surah qui s'appelle surah al-Fath, la surah de la conquête, dans laquelle Allah azza wa ta'ala fait référence à cette conquête de la Mecque. Donc, ce jour-là, qui est un grand jour qui marque l'histoire dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam, le prophète est arrivé à la Mecque. Et ce compagnon, Anas ibn Malik, nous dit le jour de la victoire en ayant sur la tête un camail. Donc il est arrivé à la Mecque et il portait sur sa tête un casque. Donc voilà la raison pour laquelle l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith dans ce livre pour nous enseigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un casque, un camail, et que celui-ci a été vu pendant la conquête de la Mecque. Un homme vint à lui et lui dit: Ibn Khattal s'est accroché au voile de la Kaaba. Quand il est arrivé à la Mecque, Allah tabaraka wa ta'ala lui a apporté son secours. Il a conquis cette ville qui était sa ville natale. Il y avait encore des kuffars. Et parmi ceux-là, Ibn Khattal. Ibn Khattal, c'est un homme qui fait partie de 4 personnes contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu le sang de ces 4 personnes licite. Il a dit à ses compagnons, en concernant ces 4 personnes, où vous les trouverez, tuez-les. Même dans les mois sacrés et même dans les endroits sacrés. À Mecca, c'est interdit. Et pendant des mois sacrés, c'est interdit. Excepté ces 4 personnes, tellement ils avaient fait du mal à l'islam et aux musulmans. Le prophète al-salatu wassalam a dit: où est-ce que vous trouverez ces 4 personnes, tuez-les. Parmi ces 4 personnes, il y avait Ibn Khattal. Et le jour où le prophète al-salatu wassalam est arrivé à la Mecque, on est venu le voir pour lui dire: ô messager d'Allah, Ibn Khattal se trouve sur la Kaaba. Il se trouve là-bas, il s'est accroché au rideau de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: uqtolo, tuez-le. Et les compagnons lui ont ôté la vie pour obéir au prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Il y avait parmi ces 4 personnes Ikrimah ibn Abi Jahl. Donc dans ces 4 personnes, on avait Ibn Khattal. Puis on avait, donc il a été tué quand le prophète leur a dit tuez-le. Une deuxième personne, dont je ne connais pas le nom, qui était entre guillemets recherchée. Les compagnons radiyallahu anhum l'ont trouvé un jour à la Mecque, dans une des rues de la Mecque ou dans un des marchés de la Mecque. Ils l'ont tué. Il en restait 2. Et les 2 qui restaient se sont convertis à l'islam, ils ont été épargnés. Parmi ces 2, il y avait Ikrimah Ibn Abi Jahl, le fils de Abu Jahl, un des pires ennemis de l'islam. Ikrimah Ibn Abi Jahl. Qu'est-ce qui s'est passé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque pour conquérir cette ville natale? Ikrimah s'est sauvé de la Mecque en mer. Il est monté sur un bateau avec une équipe et ils se sont sauvés en Éthiopie, Al-Habasha. Alors qu'ils étaient dans la mer, la tempête, Allah tabaraka wa ta'ala a décrété une tempête. Et les vagues étaient très élevées et très fortes. Et elles frappaient le bateau. Et c'est l'histoire de la conversion de Ikrimah. Les vagues, les unes après les autres, frappaient le bateau.
à un point où ils ont failli mourir, noyés dans les vagues. Alors, les gens qui se trouvaient dans le bateau se sont dit les uns les autres, « Akhlisou al-an, maintenant soyez sincères. » C'est-à-dire maintenant, invoquez Allah tabaraka wa ta'ala, seul, sans associé. Ils disent entre eux, « فَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا » Car maintenant, vos idoles ne vous seront d'aucune utilité. Allah Azza wa Jalla nous informe dans le Coran que le peuple de Quraysh croyait en Allah Azza wa Jalla. Mais ils tombaient dans l'association, ils adoraient autre qu'Allah. Et quand ils étaient dans une situation de difficulté qu'ils rencontraient, ils n'invoquaient qu'Allah, car ils savaient que le seul qui était capable de les sauver était Allah. Notamment dans cette situation-là qu'ils ont rencontrée. Ils se sont dit, invoquez Allah, délaissez vos idoles, car aujourd'hui, elles ne vous seront d'aucune utilité. Ikrima a entendu cette parole. Il a réfléchi, il a dit, إذا كانت هذه الأصنام لا تغني عنا شيئا اليوم فلا تغني عنا شيئا بعد. Si ces idoles ne nous sont d'aucune utilité aujourd'hui dans cette situation, alors elles nous seront inutiles dans toute autre situation. Puis il dit لا إن لله علي لا إن نجاني الله. Je fais le vœu pour Allah, je m'engage pour Allah عز وجل. Si Allah tabaraka wa ta'ala m'accorde son secours aujourd'hui et me sauve, la adhabanna ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la udkhilanna fi dinih wa la ajidannahu raufan rahima. Subhanallah. Il dit, je fais le vœu et je m'engage avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah me sauve aujourd'hui, que je vais aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser sa religion, et très certainement, je le trouverai doux avec moi et compatissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah tabaraka wa ta'ala a vu de lui cette envie d'entrer dans l'islam s'il le sauve. Et Allah les a sauvés de la noyade. Il est retourné à Médine, mais les gens ne savaient pas ce qui s'était passé. Donc les compagnons, s'ils l'avaient vu à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils l'auraient tué. Car ils ignoraient qu'il allait se repentir. Alors il est venu en cachette, de sorte à ce que personne ne le voit jusqu'à ce qu'il atteigne le prophète, alayhi salatu wasalam, puis il a attesté « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » et le prophète sallallahu alayhi wasalam l'a accueilli avec le sourire et l'a accepté. Mais s'il avait été attrapé avant son repentir, il aurait été exécuté. Mais subhanallah, Allah azzawajal a voulu le guider à l'islam. Voilà concernant la conversion de Ikrima. Nous venons donc de voir trois chapitres concernant des outils ou des ustensiles utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille. Le premier, l'épée, il en avait 9. Le deuxième, bouclier, il en avait 7. Et le troisième, c'est le casque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait. On a aussi compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour se protéger et qu'il faisait les causes lorsqu'il voulait arriver à un but. Nous allons, inshallah, nous arrêter là. Et le prochain chapitre concernera l'imama, c'est le turban que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam portait sur sa tête. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك